Bonjour, comment ça va? Ça va bien? Moi ça va. Bon, ce que je voulais vous dire, vous devez savoir que, si vous prenez un produit que vous ne connaissez pas votre type de peau, vous mettez votre peau en danger. Je le dis toujours, cherchez à connaître votre type de peau. Il y a une vieille vidéo que j'avais fait où vous pouvez comment faire pour détecter son type de peau. Parce que si vous utilisez un mauvais produit, enfin, pas qu'un mauvais produit, si vous utilisez un produit qui ne correspond pas à votre type de peau, par exemple une peau sèche qui utilise des produits pour peau grasse, ça va continuer à s'assécher. Et aussi, il y a une autre chose, c'est que la peau n'a pas besoin de beaucoup. Je vous le dis et je vous le redis encore. Pour récupérer votre peau également, ça demande beaucoup de temps. Parce que la peau, quand elle est abîmée, elle a besoin de se reconstruire. Regardez souvent comment quand la peau change, elle mue, donc quand la peau s'enlève souvent là, ça met souvent combien de temps pour que ça fasse ça. Donc la peau là que vous voyez là, ça ne change pas aussi automatiquement comme on croit là. Donc quand on vous dit qu'il faut du temps pour que votre peau récupère, laissez-vous ce temps là. Laissez-vous ce temps. Et quand vous avez utilisé un produit qui vous a abîmé la peau, laissez la peau récupérer, parce que si vous ne laissez pas la peau récupérer, vous allez continuer à vous enfoncer. Et quand vous avez également eu des problèmes avec votre peau, si par exemple un lait vous a donné des vergetures, ou si ça vous a donné des veines, ou si ça vous a complètement gâté, dépigmenté, comment dire, grosso modo décapé, non. Ne continuez pas à utiliser les produits éclaircissants, surtout s'ils ne sont pas réparateurs. Parce que plus vous utilisez, plus vous aggravez le cas. Et plus vous aggravez le cas, plus la peau également devient résistante. Et quand la peau devient résistante, ça veut dire que vous allez lui donner tout ce que vous voulez. Elle ne veut plus. Elle ne comprend plus. Je vous dis ça et je vous dis vrai. Comment éviter d'abîmer d'abord votre peau? Moi, je suis là. Je suis pour là pour vous aider. Bien sûr, ne m'exploitez plus hein, parce que je vous vois venir. Ne m'exploitez plus. Moi, je suis une vendeuse. Je ne suis pas seulement une conseillère. Voilà. Donc, quand vous me demandez des conseils, oui, comment est-ce que je peux vous dire ça dans un autre sens pour que vous compreniez bien? Ne me forcez pas à vous dire que oui, tel produit est bon, tel produit est bon, tel produit. Parce que je ne connais pas tous les produits sur le marché. Je vous dis ça et je vous redis encore. J'ai les produits que je vous propose. Je ne vous dis pas, et encore, je vous dis encore, je ne vous force pas à acheter chez moi. D'accord? Mais je ne peux pas non plus vous dire où vous allez les trouver parce que je ne sais pas qui vend. Ni si c'est bon, ni si je n'ai pas de partenariat, je vous le dis encore. Je vous donne le nom du produit. Maintenant, si vous pensez que vous pouvez le chercher, vous allez le chercher, cherchez-le et le trouvez-le. Parce que ce n'est pas moi qui en fabrique, ce n'est pas moi qui suis la distributrice. Donc, vous pouvez le trouver. Donc, maintenant, quand je vous dis ce qu'il faut utiliser, vous dites, est-ce que ce produit-ci est bon? Est-ce que celui-ci, je peux l'utiliser? Est-ce que je ne peux pas savoir. Peut-être. Je ne fais pas les recherches sur tous les produits qui existent sur le marché. Il y a 1 milliard de produits sur le marché. 10 milliards de produits. Comment vous dire ça? Je ne peux pas connaître tous ces produits. Je connais quelques poignées de produits et ce qu'ils font. Et c'est sur ces poignées de produits que je vous guide. Par exemple, quand je vous dis prenez le sérum Macari, est-ce que c'est moi qui ai la boutique Macari? Moi, je n'ai pas la boutique Macari. J'ai déjà conseillé plusieurs personnes de prendre le sérum Macari. Ils ont acheté là où ils ont trouvé. La seule chose, c'est que si vous pensez que vous êtes tombé dans le faux, si vous pensez que vous êtes tombé dans le faux, bien sûr, achetez chez moi. Je ne sais pas comment vous dire ça. Je vous encourage à acheter les produits que je vous conseille ou que vous les achetiez. Et quand je vous dis acheter ceci, c'est qu'il faut acheter cela. Maintenant, si vous ne trouvez pas, je suis là, non. Je suis là pour ça. Achetez chez moi. Vous n'êtes pas obligé d'acheter chez moi. Ça, également, c'est vrai. Mais si vous achetez chez moi, vous êtes plus rassuré de la qualité et de ce que je vous ai conseillé exactement. Parce que ce que je vois souvent, c'est par exemple, je dis à quelqu'un, utilise le savon Glutation. Après, la personne m'envoie un message pour me dire, ok, j'ai trouvé le savon Glutation. Voilà ce que j'ai trouvé. C'est bon, j'ai déjà le Glutation. Qu'est-ce que je vais utiliser d'autre? Quand je regarde la photo, ça n'a rien à voir avec ce que moi je vends. Je ne vais pas dire que ça, ce n'est pas le bon Glutation. C'est seulement que je ne connais pas. Si tu utilises ça, ne donne pas, ne viens pas dire que ce n'est pas moi, c'est moi qui t'ai dit d'utiliser ça parce que je ne connais pas ce produit. Et c'est, je ne sais pas, tu peux tomber sur un bon produit. Je ne dis pas que si tu n'as pas acheté chez moi, c'est que ce n'est pas bon. Non, non, non. Il faut qu'on se comprenne bien. Je te dis, achète telle chose. Si tu le trouves exactement la même chose quelque part ailleurs, c'est que c'est bon. Il n'y a pas de problème. Mais ne trouve pas
ce qui ressemble à ça et tu veux que moi j'accepte que c'est ça. Non, ce n'est pas ça. Voilà un peu, comment dire, le petit truc que je voulais éclairer. Parce que je vois souvent ça, je vois ça très 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 souvent. Les gens achètent leurs produits. Parfois on me demande, ok, en dehors de lait que tu m'as proposé là, tant. Parfois je fais des propositions jusqu'à 3 ou 4 laits différents. En dehors de tout ce que tu m'as proposé là, quel autre lait tu peux me proposer? Mais vous voulez que j'invente le lait pour vous proposer? C'est comment, non? Je vous dis ce que je connais. Après, maintenant, si tu trouves un truc qui est pareil et que ça marche, tant mieux. Mais je ne peux pas vous dire, ok, comme tu ne veux pas toutes les séries de lait que je t'ai proposé là, voilà encore un autre que je vais te proposer. Et je vous dis, ici aux États-Unis, je peux trouver beaucoup de produits. Je peux trouver n'importe quel produit que vous voulez. Mais ça ne veut pas dire que tous ces produits-là marchent. Ça ne veut pas dire que tous ces produits sont bons. Ça ne veut pas dire que tous ces produits vont vous donner le résultat que vous cherchez. Vous me posez un problème. Enfin, je vous propose la solution par rapport à votre problème. Par rapport au problème que vous me posez. Ce n'est pas par rapport à ce que plusieurs personnes utilisent. Parce que beaucoup de vendeurs vendent par rapport à ce que beaucoup de personnes utilisent. Donc, ils vous disent que non. Telle personne, j'ai déjà vendu ça, beaucoup de personnes ont utilisé, c'est bon. Pas forcément pour vous, parce que vous avez peut-être un problème qui va faire en sorte que ce produit ne va pas marcher pour vous. Et c'est là où il y a toute la différence. Et c'est là où voilà, je peux dire que je suis un peu la perle rare, quoi. Donc profitez-en, quelque part. Faites-moi un peu confiance, je veux dire, je ne garantis pas, comme je dis toujours, que tous les produits vont marcher à 1000%. Mais en matière de, comment dire, vous faites dépenser moins pour un meilleur résultat, ça quand même je peux vous dire que oui. Surtout en termes de qualité aussi. Si c'était quelqu'un d'autre comme moi par exemple, je suis aux États-Unis, je peux trouver n'importe quel produit qu'on va me demander. Je serais en train de vous vendre n'importe quoi, n'importe comment. Tu me dis, non, est-ce que tu peux me proposer un autre lait? Ok, oui, il y a tel lait encore que tu peux prendre. Je ne fais pas ça. Parce que ce que je recherche aussi, c'est le résultat que vous voulez. Vous voulez un résultat? Et moi, je fais tout pour que vous obteniez ce résultat. Et si ce résultat doit passer par le produit X, Y, Z, tu vas me poser la même question 50 fois et tu te dis que non, c'est X, Y, Z que tu dois prendre. Maintenant, si tu décides de prendre E, F, G, ça c'est ton problème, c'est un peu le mien. Vous comprenez un peu. J'espère que ça va être vraiment clair parce que, aussi comme j'avais dit sur une des vidéos, moi je ne suis pas youtubeuse, je suis une vendeuse. Je n'amuse pas la galerie, je ne suis pas là pour vous faire, voyez non. Et je ne suis pas là pour vous montrer que moi, ma peau, j'ai utilisé telle chose, ça a marché pour moi. J'ai fait, voilà, un truc qui marche très bien, voilà, tel produit. Non, je ne suis pas là pour faire ça. C'est pour ça que vous me voyez, j'aime pas trop parler de ce que moi j'utilise. Parce que ce n'est pas mon problème que je suis venue résoudre sur YouTube. Et ce n'est pas mon problème que je... Enfin, ce n'est pas ma solution que je viens vous proposer. Parce que ce qui marche pour moi ne va pas forcément marcher pour vous. On se comprend. Vous me posez un problème. Alors, j'adapte une solution qui correspond à votre problème, à vous. Comme je disais encore dans la vidéo là. Donc, quand vous me demandez, toi-même, tu utilises ce que tu dis là. Si je suis là pour vous, comment dire, pour vous aider à trouver la solution à votre problème, est-ce que ton problème, c'est le mien alors? Pas forcément. On n'a pas les mêmes problèmes. Donc, mes chers First Ladies et mes chers présidents, je suis là pour vous servir. Achetez chez moi pour être sûr de la qualité, également pour être sûr que moi, je vais vraiment vous suivre comme il se doit. Parce que il faut aussi comprendre, je mets la priorité sur les gens qui achètent chez moi, bien sûr. Les gens me posent des problèmes sur leurs produits, enfin qu'ils utilisent et tout machin. Entre la personne qui a acheté chez moi mon produit à moi et que je suis en train de suivre et la personne qui vient juste me demander, ok, j'ai tel produit ou bien je voudrais utiliser tel produit, qu'est-ce que tu me conseilles, voilà, ou bien je suis en train d'utiliser tel produit, est-ce que tu peux m'aider, comment je vais faire pour mélanger tout machin, et que la personne, mon client à moi est en train de me poser les mêmes questions, à votre avis je vais d'abord répondre à qui? Je vais d'abord répondre à mon client avant de vous répondre à vous. Ça ne veut pas dire que votre problème n'est pas important pour moi, c'est juste que je vais d'abord satisfaire mes clients, d'accord, puisque moi je suis une vendeuse. Donc, vous, je vais vous répondre quand j'aurai le temps. Et pour eux, c'est la priorité. Tout comme si quelqu'un me passe la commande et que d'autres me disent, ok, voilà, où est-ce que je peux trouver tel produit, ou bien je suis en train de vouloir chercher tel produit. Je vais d'abord gérer la commande parce que là, la personne attend son produit. Vous comprenez un peu. Donc, si vous voulez vraiment que
je sois disponible à 100% à vous aider et tout machin. D'abord, je suis disponible à 100% à vous aider. Mais laissez-moi aussi le temps. Parce que ce que je vois souvent, c'est que les gens m'écrivent quand je n'ai pas répondu dans l'immédiat. Là, on appelle. Vous ne connaissez même pas les heures. Donc, vous appelez seulement quand ça vous change. On appelle 2 heures du matin, on appelle 3 heures, on appelle. Je reçois des appels. Je vous dis bien, n'appelez pas. J'ai même écrit sur mon WhatsApp de ne pas appeler. Et pendant ce temps, mes clients sont là en train d'attendre leur commande. Moi, je dois venir répondre aux appels. Et pour, parfois même encore, le pire, c'est que parfois vous me posez des questions qui sont déjà sur les vidéos. Pardon, faites l'effort souvent de suivre les vidéos, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Parce que ça, là, c'est quoi? C'est quoi? Vous appelez, vous écrivez, vous me posez les mêmes questions qui sont sur les vidéos. On dirait que, attends, j'ai fait la vidéo là, c'est pour qui? C'est pour vous, non? Pardon, il faut regarder souvent. Regarder. Parce que quand vous regardez, vous avez parfois vos réponses sans même avoir à me poser des questions. Parce que si vous posez la question, il faut attendre que je puisse répondre. Et ce n'est pas évident. Je ne peux pas vous promettre que je vais vous répondre ça dans l'immédiat. Et comme je dis, achetez chez moi, ce sera plus sûr. Ce sera... là, je saurai que voilà, parce que j'ai une liste de clients quand même que je suis particulièrement. Et donc, je sais que bon, ok, ça... On est à cette étape. Mais si vous me demandez juste conseil, parce que je ne connais pas le produit que vous connaissez pas, vous avez acheté, je vous donne des conseils comme ça là, mais je ne peux pas me porter garant pour le résultat parce que je ne connais pas ce que vous utilisez, je ne sais pas où vous avez acheté ça. Vous comprenez un peu. Je peux juste vous donner un conseil général, mais je ne peux pas vous suivre vraiment comme si c'était mon client à moi, quoi. Vous voyez un peu. Donc, j'espère que vous serez nombreux à devenir mes clients fidèles. Pour qu'on puisse faire beaucoup de choses ensemble. Parce que voilà, je vous réserve pas mal de choses à mes clients les plus fidèles. Ça ne sera pas pour maintenant, mais ça vient. J'ai beaucoup de choses dans ma tête que je suis en train de penser. Et j'espère qu'on va mettre ça sur pied.